Tu t'apprêtes à voir le vlog le plus fou et de loin qui n'a jamais été posté sur la chaîne. Dans cette session, on va avoir 4 pots à plus de 20 000 $ et un pot à plus de 30 000 $. On se retrouve sur de la 20, 40, 100 $ avec un stack minimum à 10 000 $ sur la table à Sihanoukville en Asie. Pour être honnête avec vous les gars, pouvoir vlogger ces sessions, c'est prendre un risque qui est énorme. Parce que les mecs qui sont sur la table, c'est des mecs qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont absolument pas envie d'être filmés. Et donc, je prends des risques parce que soit je peux avoir des problèmes, soit je peux juste me faire virer de la game. Donc si vous kiffez ces vlogs et que vous voulez en voir plus, pensez à liker et à nous montrer que c'est un truc que vous kiffez de fou. Et comme ça, le message est clair et on va continuer. Bombardez les commentaires si ça vous fait kiffer. Je vous laisse avec l'épisode. Let's go. La session commence, je dépose 10 000 $ sur la table. C'est un vraiment gros in, c'est la première fois que je dépose autant de sous directement, et les blindes sont de 20, 40, 100 $, un rake assez élevé à 6-7%, capé à 500 $. L'atmosphère à la table est assez particulière. On sent très clairement que c'est pas le même genre de joueur qu'on voit sur des tables de 5-10 ou 10-20. Le niveau a l'air vraiment faible, mais ce que je remarque, c'est que c'est des joueurs qui n'ont pas peur de mettre les sous au milieu du tout, et donc, ils vont sûrement nous mettre la pression dans beaucoup de spots, dans des gros pots, et il va falloir bien gérer ça. Je joue assez serré dans un premier temps. Après un moment d'attente à analyser les joueurs, je reçois As-5 dépareillé au bouton. Tout le monde fold jusqu'à moi, j'open à 300 $. Le joueur en straddle call. On se retrouve en heads up sur un flop valet 3-3 avec un tirage couleur. On fait seulement une hauteur as, c'est pas terrible. Ici il check, et quand il check, j'ai deux informations relativement intéressantes. Premièrement, ce joueur c'est le boss de la game, et il a tendance à mettre des gros parpaings et il est très agressif. La deuxième chose que je sais, c'est que dans ses 30 premières minutes de session, je l'ai déjà vu reprendre l'initiative avec des mains en value. Donc en réalité, quand il check, il a une range qui est très large, mais pour autant, avec des valets ou des bonnes mains, il aurait sûrement repris l'initiative. Et dans ce cas-là, le move que je peux faire ici, c'est de miser vraiment petit pour lui faire payer des mains faibles qu'il irait bluffer après, ou alors simplement le faire raise directement en bluff et aller payer parce que sa range va très vite se déséquilibrer en bluff. De plus, s'il fold une main comme 6 et 7 par exemple, eh bien, je suis pas mécontent parce que ça me permet de lui deny de l'équité. Bon, on suit le plan, je mise 200 $. Il hésite un moment et il me relance à 800 $. Bon, ça faisait partie du plan, mais pour autant, aller mettre déjà plus de 1 000 $ dans le pot avec hauteur as à la première main que je joue, c'est toujours un petit peu déstabilisant. Quoi qu'il en soit, on est là pour suivre les process, pour faire confiance au plan, donc il n'est pas question de taper un fold. Je call, la turn tombe un 4 et il décide de check. En réalité ici, j'ai pas vraiment d'intérêt à miser, dans tous les cas, s'il a un bluff, je suis assez content de checker et potentiellement qu'il mise son bluff à la river, et quoi qu'il en soit, je vais pas faire fold de main plus forte que la mienne, donc j'ai pas d'intérêt à miser ici. Je check, river tombe une dame, et sur cette dame, il envoie un bet à 1 500 $. La dame, c'est pas la meilleure des cartes, parce qu'il peut avoir beaucoup de mains comme dame 9, dame 8, dame 7, dame 10, qui vont toucher une dame maintenant et qui vont miser en value. Mais pour autant, au vu de la construction de sa range, de ce que je sais du profil et de tous les bluffs potentiels qu'il peut avoir, c'est vraiment très compliqué de trouver un fold ici. Je pense juste qu'il a trop de bluffs et que le call va faire trop d'argent sur le long terme. J'hésite un moment, je m'assure de ma réflexion, je revois la line et j'envoie les sous au milieu pour call ma hauteur as dans ce premier pot qui est déjà énorme. Je call, c'est à lui de retourner les cartes et il retourne 10 et 8 offsuit, let's go, on remporte ce premier gros pot avec un call hauteur as. La session commence parfaitement, c'est juste dingue. Quelques minutes plus tard, je reçois valet 18 en grosse blinde, le joueur au cutoff limp, et franchement, j'ai envie de faire grossir le pot avec cette main, je relance directement à 500 $. Et là, le joueur en straddle me relance à 1 100 $. Tout le monde fold, c'est un peu bizarre sa relance, en même temps j'ai 600 $ à rajouter donc... Je me vois pas fold, j'ai les codes directs pour aller toucher des doubles paires, des quintes, des brelans. Il relance vraiment pas cher.
Et en même temps, ça rêve vraiment très très strong. J'imagine pas vraiment de bluff, surtout que c'est un joueur qui est franchement assez passif et assez calme. En plus de ça, on a environ 12 000 $ de stack effectif, donc si je touche, on va faire très mal. Je call et tombe un flop, As, Roi, Dame avec un tirage couleur. On fait quinte flopée directement, c'est magique. Étant donné qu'il percute vraiment bien ce board et qu'il va toujours miser, je check, et il envoie 1 400 $. On a nuts, il a une main a priori très forte, il est temps de mettre les sous au milieu. J'envoie 4 000 $ au milieu, et instantanément, il envoie 10 000 $ au milieu. Snap call, je retourne valet 10, et il retourne une paire de rois. Pas la main qu'on préférait voir, il a encore pas mal d'équité contre nous. Je propose de run 2 fois pour limiter la variance, malheureusement il ne veut absolument pas. Ce pot est important, c'est le premier gros pot de la session, on espère que ça tienne. C'est parti, le croupier ouvre les cartes, la turn tombe un 2, et la river. La river, il me fait attendre, il regarde les cartes, il veut pas la regarder vraiment, je sais pas ce qu'il a. Et au bout d'un moment, il finit par mettre un 5 au milieu du board. Ça tient, ça gagne et on remporte ce premier pot énorme. Trop cool, j'ai plus de 23 000 $ de stack, on est à plus 13 000 $ de bénéfices sur la session après à peine 30 minutes de jeu. Et j'ai à peine le temps de me remettre de ce spot et de ranger les jetons que demain plus tard, je reçois As-Valet suité au cutoff. Tout le monde fold jusqu'à moi, je relance à 400 $, le joueur au bouton call et les joueurs en small blind et straddle call. On se retrouve à 4 joueurs sur un flop Dame 6-3 avec un tirage couleur. Tout le monde check, et franchement je viens d'arriver sur la table, je connais pas encore vraiment bien les joueurs. Ici je vais pas m'enflammer à claquer des bluffs, je décide simplement de check. Bouton check, et on se retrouve sur la turn qui est un valet. C'est une très bonne carte, on fait une seconde paire avec le meilleur kicker, et franchement au vu des joueurs et au vu de ce que je sais d'eux, s'ils avaient une dame a priori, ils auraient misé, donc on a très souvent la meilleure main. Là, le joueur en small blind qui est le boss de la game mise 1 400 $. Ça fold jusqu'à moi, et franchement, il a beaucoup de tirages joués comme ça. Il peut avoir des tirages couleurs, il peut avoir des tirages quintes, et surtout, il peut avoir des petites paires, des valets inférieurs. Je sais que c'est un joueur qui mise vraiment beaucoup de mains en mode what the fuck, donc ici, je suis très serein, et j'ai très clairement de la value. Et étant donné que s'il avait une dame, il aurait misé et repris l'initiative dès le flop, eh bien j'ai quasiment tout le temps la meilleure main, donc j'en profite pour le relancer en value directement. Je relance à 3 000 $, j'ai pas envie de faire trop cher pour ne pas le faire fold non plus. Face à mon raise, il call et on se retrouve en heads up sur la river qui est un roi. Le pot fait déjà plus de 7 000 $, c'est juste abusé comment les pots grossissent vite. Et sur cette river, il reprend l'initiative et fait tapis pour 7 270 $. Ah, le mal de crâne. C'est un spot qui est assez complexe parce que il y a 10 et 9 qui a touché, et pour autant il peut encore avoir énormément de mains en bluff. Il peut avoir tous les tirages couleurs, tous les tirages quintes, et même des mains comme valet 7, valet 8 qui les auraient transformés en bluff. Pour autant, en termes de combo de value, il y en a assez peu à part 10 et 9, roi valet, roi 6, roi 3, et je suis même pas sûr qu'il les joue toujours comme ça. De mon côté, pour avoir un call profitable, j'ai besoin d'être bon moins d'une fois sur 3, il a tous les 4 et 5, 7 et 5, 7 et 4, 4 et 2, ça fait vraiment énormément de combos en bluff, c'est un joueur qui a des ranges très larges, il peut complètement les jouer comme ça. Ah, ça me fait vraiment chier de call 3ème paire dans un pot à plus de 20 000 $. Mais bon, je suis juste obligé de prendre la meilleure décision sur le long terme, même si elle présente un risque. Je dois faire confiance à mon read, j'envoie les sous au milieu, je call, et il retourne roi valet suité. Ah l'enfoiré, j'étais bien devant à la turn, malheureusement il a touché le roi river. C'est un spot qui fait vraiment chier parce que sur la plupart des autres rivers, on lui aurait tout pris et on aurait gagné cet énorme pot à plus de 20 000 $. Bon, on redescend quasiment au stack de départ, dans tous les cas c'est le début de la guerre, la session qui fait commencer. Il va falloir continuer à prendre des décisions, être bien vif, donc il n'y a pas le temps de s'apitoyer sur son sort, je reste absolument focus sur qu'est-ce que je peux faire pour optimiser mon profit sur cette session. Le game plan il est simple, je joue solide, je prends un maximum de notes pour voir des opportunités, voir des failles dans les stratégies des joueurs et les exploiter. Après un moment d'attente, je reçois 5 et 7 dépareillés en grosse blinde. Il y a à peu près toute la table qui limp avant moi, je call et le joueur en straddle check. On se retrouve à 5 joueurs sur un flop 6-8-9 monocolore. On fait une quinte flopée, mais en même temps on est contre beaucoup de joueurs, il y a des quintes supérieures et il y a surtout beaucoup de flush qui peuvent complètement avoir dans leur range. Ici j'ai envie de prendre de la value, pour autant c'est important de pas s'enflammer parce que si je mise trop cher, je peux très vite me value cut, il y a beaucoup de flush dans les ranges potentiellement, et donc le plan, ça serait plutôt de miser pas trop cher. Si un joueur sérieux me raise, je fold directement, et si c'est un joueur agressif qui raise, eh bien on prendra le risque et faudra mettre les sous au milieu. Je mise 300 $. Et le boss de la game en début de parole, call.
On se retrouve en heads up sur la turn qui est un 4. Quand il a juste payé au flop, il a très clairement pas une quinte supérieure ni une couleur flopée, et c'est très souvent des paires plus tirage ou des doubles paires brelants, donc il faut absolument que je prenne le maximum de value. Je mise 1000$, et très bonne nouvelle, il call. Et River tombe l'as de cœur qui fait rentrer la 4 flush. C'est pas la meilleure des cartes. On touche une couleur avec le 7 de cœur, mais pour le coup, elle vaut pas grand chose ici. En vrai, si je mise ici, je vais être payé que par mieux. J'ai pas non plus d'intérêt à transformer en bluff parce qu'il peut complètement avoir des rois de cœur, des dames de cœur, des valets de cœur joués comme ça. Et pour autant, si je check, il va pas avoir beaucoup de bluff naturel parce que s'il a double paire ou brelan, il va pas trop le transformer en bluff. Et pour autant, il a énormément de flush. Et donc malheureusement, je pense qu'on doit juste checker et abandonner cette main. Je check, je retourne ma couleur hauteur 7 et il retourne 8 et 9 pour une double paire. Content de gagner ce pot, même si un peu déçu de la river parce que sur d'autres rivers, on aurait pu lui prendre beaucoup d'argent. Bon, malgré tous ces swings, je suis à 15 000$ de stack, soit 5 000$ de profit sur la session, ce qui est plutôt sympa. Il y a eu des swings up, down, et à ce moment-là, je me dis ok, la tempête est passée, ça va se stabiliser. La réalité des choses, c'est que c'était que le début et les plus gros pots étaient à venir. Le croupier m'envoie des cartes pas ouf pendant un long moment, jusqu'à ce que je reçoive Valet 10 off au cutoff. C'est pas excellent, mais on va essayer de faire quelque chose avec. Le joueur en début de parole et le joueur en milieu de position call. Franchement, c'est des joueurs qui ont des ranges de limp assez faibles, ils ont tendance à open leur main forte, et donc je pense que je peux juste mettre pas mal de pression dessus, très souvent voler les blindes, ou alors isoler un joueur en heads up et lui mettre la pression par la suite. Je relance à 600$, et le plan se passe pas comme prévu. Le joueur en grosse blinde call, le joueur UTG call, et le joueur en milieu de position call. On se retrouve à 4 sur un flop, roi 9-4 bicolore. Là-dessus, le joueur en grosse blinde reprend l'initiative et mise 1500$. UTG MP fold, et je dois prendre une décision. Il envoie quand même un bon parpaing et ça fait une grosse somme à payer, mais pour autant, c'est un joueur qui a tendance à reprendre l'initiative avec des mains vraiment délirantes. Ici, il peut complètement avoir des mains comme 9 et 5 par exemple. De mon côté, j'ai un tirage ventral, et en réalité, si je call, il y a beaucoup de turns sur lesquels il va être obligé de se calmer, et sur lesquels je vais pouvoir mettre de la pression par la suite, et le faire fold. Et si on touche pas sur la turn, on essaiera de lui caler un bluff. J'envoie les sous au milieu, le pot fait déjà plus de 5 000$, c'est aberrant, et la turn tombe une dame qui fait rentrer la flush. On touche quinte, en même temps, il y a une flush au board, mais on a aussi le valet de carreau, donc en soi, c'est plutôt sexy. Et sur cette turn, il mise 3 000$. Franchement, je m'y attendais pas vraiment, c'est une carte qui fait assez peur pour lui. J'ai l'impression que même avec un roi faible, il irait pas miser là-dessus, et il irait plutôt check et fold contre beaucoup d'agressions. En tout cas, c'était mon plan de base, donc ici, j'imagine des mains vraiment fortes. Des paires plus tirage, des doubles paires, des brelans, ou même de temps en temps des flush qui me battent. Quoi qu'il en soit, il a une range assez forte, que je domine très largement avec ma main. Il lui reste 5 000$ derrière. Il est juste temps d'aller mettre le reste au milieu. Je fais all-in, il call, et on se retrouve encore sur un pot à plus de 20 000$. Bon, celui-ci, il faut qu'il passe. Je retourne mon valet 10, et il retourne 8 et 6 de carreau. Ah, c'est sick. Le moment où j'ai fait ma quinte, il a fait sa flush de son côté, alors que c'est vraiment un joueur qui mise beaucoup, beaucoup, beaucoup de mains. Bon, on a toujours un petit peu d'équité, on peut toujours y croire. Le croupier m'envoie la carte, et la river est un as de carreau qui nous fait gagner ce pot énorme. On a chaté là-dessus, c'est magnifique. Et j'ai pas le temps de souffler que la main suivante, je reçois As-Roi au hijack. Le joueur en début de parole et le joueur en milieu de position call. J'envoie direct un bon parpaing à 800$. Et le joueur UTG call. C'est une grosse baleine. Pour ceux qui ont la ref, c'est le joueur qui m'avait call Dame-9 dans le spot où la couleur était rentrée river. Ce joueur-là, on l'appelle Winnie. Parce qu'il a la tête de Winnie l'ourson. Et c'est un mec qui est vraiment très chaud. Pour vous donner un ordre d'idée, il peut aller jusqu'à perdre l'équivalent de plusieurs millions d'euros par mois. Il perd des sommes indécentes, il a déjà fait des sessions à moins 140 000, moins 160 000 dollars. C'est vraiment un joueur qui en fout partout, et c'est un des gros spots de la table. On est très content de l'avoir et très content de jouer contre lui. Nous voici en heads up sur un flop à suite de bicolore. C'est magnifique, on fait top pair, top kicker, sur un board bien comme on aime. Et là, il reprend l'initiative et mise 1100$. Il a environ 15 000$ derrière. C'est un joueur qui, comme on l'avait vu dans la main où il avait Dame 9, reprend l'initiative quand il a une main forte et qui touche le flop. Ici, s'il a un petit as, j'ai vraiment envie de mettre les sous au milieu le plus vite possible, j'ai pas envie que des couleurs rentrent et qu'il ait potentiellement peur. Et pour ces raisons, je pense que je dois le relancer directement. Je relance à 3 000$, il hésite, il prend son temps, il regarde mon stack,
il commence à compter le sien. J'ai vraiment l'impression qu'il est prêt à tout mettre au milieu et malheureusement, il fold. Je sais pas ce qu'il fold, s'il fold d'une bonne main parce qu'il m'imagine trop fort, c'est vraiment chiant. J'enchaîne main suivante, j'ai dame 9 dépareillé en straddle, il y a 4 joueurs qui collent avant moi, je check. On se retrouve à 5 sur un flop dame 10-4 avec un tirage couleur. Et ici, ils ont pas mal de mains faibles, de mains que je domine. Je prends le lead et je mise 200$. Tout le monde fold sauf le joueur en grosse blinde qui call. C'est un joueur relativement sérieux, calling station, mais qui fait pas n'importe quoi, qui met pas énormément de bluff. On se retrouve en heads up sur une turn qui est un 7. Il check. Ici, je dois clairement continuer à miser en value contre toutes les dames inférieures et les 10. J'envoie un bet à 440$. Il call. River tombe la doublette du 7. Qui est un peu relou parce que maintenant je split contre toutes les dames moins bonnes. Il check. Et ici, j'ai quand même de la value. Je peux pas miser trop cher parce qu'il y a un gros rake. Et s'il me paye juste une dame qui split, bah je perds beaucoup d'argent. Donc en vrai, faut envoyer vraiment pas cher pour qu'il me call avec un 10. Go envoyer 400$ au milieu. Il hésite un moment. Il call. Je retourne dame 9 et il jette ses cartes. On gagne encore ce gros pot. J'enchaîne pas mal de petits pots du genre et je monte à 32 000$ de stack, soit 22 000$ de bénéfice sur la session. C'est dingue. Après cette main, on passe à 30 000$ de stack, soit 22 000$ de profit. Ce qui est plutôt cool. Et là, il y a une mauvaise nouvelle qui sonne. Il y a le floor de la table qui vient me voir. Et qui dit, écoute, tu prends trop de temps pour jouer. Et ça casse les couilles à la table. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en vrai, je prenais pas tant de temps que ça pour jouer. J'essayais quand même d'avoir un rythme de jeu assez rapide. Et là, je sais pas pourquoi, il y a toute la table qui est vénère contre moi. Et je pense que la raison de ça, c'est que j'étais en mode tryhard. Et j'avais énormément de prises de notes. Et les joueurs voyaient que je prenais des notes. Ce qu'il faut voir, c'est que sur ce genre de table que je prends très au sérieux, j'ai une grosse prise de notes et ça donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je note absolument toutes les mains que je vois à la table et ensuite après je stocke les notes et je fais des analyses complètes des profils. Et les mecs du coup sentent que je tryhard et clairement ça a pas contribué à l'ambiance. Donc un petit peu problématique à ce niveau-là. Je me dis ok, je vais essayer de... Enfin je vais continuer à bien jouer. Et je vais essayer d'un peu plus sociabiliser, un peu plus rigoler avec les joueurs. Parce que clairement, sinon, ça sera la première et dernière fois que je jouerai cette table. Un peu plus tard, je reçois une paire de rois en milieu de position. Et le joueur en début de parole, le gros joueur VIP, relance à 500$. C'est magnifique. Là, on va pouvoir lui prendre très gros. Et cette fois-ci, j'espère ne pas le louper et le déstacker complètement. Je relance à 2000$. Il colle instantanément. On est en heads up. Et le croupier ouvre un flop. As valet 10. C'est vraiment pas le meilleur board pour le coup. Et là-dessus, il reprend l'initiative et envoie 3200$. Ah, c'est vraiment compliqué. Parce que, en réalité, quand il open 500 préflop, il a énormément d'as dans sa range. C'est une range d'open qui est vraiment forte. J'imagine pas trop de bluff. Il a tendance à reprendre l'initiative avec ses mains fortes en général. Il met très cher. J'ai pas les cotes simplement pour aller toucher ma dame. Ça fait un peu mal au cœur, mais... Je suis obligé d'abandonner ce coup. Je jette ma paire de rois et il me retourne un as. Plutôt content de la décision, on a évité le pire. Un peu après ça, je reçois une paire de 2 en grosse blinde. Il y a 4 joueurs qui limpent, je call et le joueur en straddle check. On est à 6 joueurs en famille sur un flop roi 10-2. On fait brûlant, c'est magnifique. Ici, j'ai vraiment envie de laisser les mecs s'enflammer et mettre de l'argent au milieu, donc je vais juste checker. Malheureusement, tout le monde check. Turn tombe un 4. Et en réalité, je pourrais miser, mais si les mecs avaient un roi, ils auraient déjà misé. Pour autant, il y en a pas mal qui sont chauds, qui peuvent commencer à créer des bluffs. Le 4, ils rentrent pas trop dans leur range, donc dans tous les cas, si je mise, je vais pas être payé par beaucoup de 4. Ouais, franchement, ici, pas d'intérêt à miser, je vais prendre l'option de check. Et là, le bouton, qui est le même VIP que la main d'avant avec paire de rois, mise 300$. En réalité, quand il mise la moitié du pot, je trouve que ça représente pas non plus énormément de bluff. Je pense qu'il aurait cherché un size un peu plus lourd avec un bluff. Et pour autant, il a quand même pas mal de 4x ou de 10x qui peut jouer comme ça. Et je pense juste que je peux prendre beaucoup de value là-dessus. C'est un joueur qui est très calling station. J'ai checké 2 fois. Il peut juste dire que j'arrache le pot et call assez large. Je prends l'option de raise. Allez, faut aller prendre de l'argent sans mettre trop cher non plus. J'envoie 1300$. Tout le monde fold et il call. On se retrouve à 2 entre copains sur la river qui est un 4. C'est une carte absolument magnifique parce qu'on fait full, mais surtout, il peut avoir énormément de 4x dans sa range joué comme ça. Et pour le coup, je peux leur prendre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent.
Pour autant, j'ai pas d'intérêt à miser, parce que si je mise avec un 4, il va juste payer. C'est pas un joueur qui a tendance à value sin, c'est-à-dire d'être gourmand avec ses mains en value. Donc ici, je vais checker, le laisser miser un 4 et lui mettre un bon parpaing en raise. Et s'il check avec son 10, eh bien tant pis, mais j'ai vraiment pas envie de miser de moi-même. Je l'ai vu faire des gros mise value avec beaucoup de mains, et j'ai pas envie que ça arrive ici. J'ai vraiment envie que s'il a un 4, il mise tout le temps pour que je puisse le relancer. Je check, et pour mon plus grand plaisir, il commence à compter ses jetons. Donc je sais qu'il va envoyer des sous au milieu, et en plus de ça, il envoie un parpaing à 3 200 $. Magnifique. Il lui reste environ 30 000 $ derrière. Est-ce que je peux tout mettre au milieu? Est-ce que vraiment, si je lui demande de rajouter 25 000 $ dans le pot, est-ce qu'il va call avec un 4? J'ai l'impression que si j'envoie 25 000 $ au milieu, je suis genre juste trop face-up. Qui sait que j'ai aucun bluff et qui sait que j'ai pas un 4 moins bien? J'ai l'impression qu'il pourrait taper son fold. Pour autant, il a très souvent un 4 dans ce spot. Faut vraiment, vraiment que je prenne les sous, faut que je fasse la bonne mise. Je réfléchis un long moment parce que là, j'ai pas le droit de me tromper. Je peux faire une erreur qui peut me coûter 10 000, 15 000, 20 000 $. C'est un spot qui est extrêmement important. Je pense que si je lui demande de rajouter 10 000 $, c'est le bon prix. Le bon prix pour qu'il se dise, bah j'ai un 4, je vais pas fold. Mais j'ai l'impression que si j'envoie un trop gros parpaing, il peut taper son fold. C'est très complexe. Surtout qu'en réalité, j'ai vraiment pas envie de faire d'erreur ici, j'ai pas envie de lui faire taper son big hero fold. Je pense qu'il faut jouer la sécurité. J'envoie 13 200 $ au milieu pour qu'il ait 10 000 $ à rajouter. Et il commence à hésiter un moment. Et ce qui m'inquiète quand il hésite, c'est que si là il décide de faire all-in et de rajouter 17 000 $, bah je suis obligé de fold. Parce qu'il peut juste jouer 4-4, 4 et 2, 10 et 4 comme ça. Et pour autant, il a jamais un bluff qui joue comme ça. Donc je serais obligé de fold, c'est vraiment chiant. Si ce scénario arrive, ce sera vraiment une grosse prise de tête. Et là, ce qui me rassure, c'est qu'il commence un peu à casser son non-verbal. Il commence à beaucoup bouger, à souffler. Et donc je sais que sa décision, ça va être un call ou un fold. Donc déjà, on s'assure d'avoir gagné ce pot. Et là, il commence à retourner les 4. Comme s'il était dégoûté qu'il y avait une doublette du 4. Pour autant, donc ça veut dire qu'il n'aurait pas un 4. Et pour autant, qu'est-ce qu'il peut avoir qui joue comme ça? Est-ce qu'il pourrait avoir une main comme Roi-10 peut-être? Qu'il aurait slow play au flop, c'est tout ce qui fait sens pour mettre un aussi gros parpaing à la river. Et il hésite. J'espère qu'il call parce que c'est 10 000 $ free dans la poche. Et malheureusement, il jette ses cartes. Quoi qu'il arrive, on remporte ce gros pot et on est à 36 000 $ de stack sur la session, soit plus de 26 000 $ de profit. On est quand même très fine, très bien et c'est une très bonne session en cours. On enchaîne, j'ai Roi-Dame dépareillé au hijack, 3 joueurs call, je les relance à 600 $. Le joueur au boudon call et les joueurs en straddle et milieu de position call. On est à 4 joueurs et le croupier ouvre un flop dame valet 10. J'ai une bonne top pair avec un tirage quinte par les deux bouts. Je suis vraiment très bien ici, j'envoie une mise en value à 1 600 $. Là-dessus, le joueur au bouton call et on se retrouve sur la turn qui est un roi. On fait double pair mais maintenant tous les as et tous les 9 font quinte. Et ouais, franchement ici, c'est pas la meilleure des cartes. C'est assez rare d'être déçu de faire double pair, mais là clairement on n'est pas très bien. Je pense que je vais juste checker et aviser selon son bet. Je check, et il envoie un bet à 3 200 $. Au vu du flop, je vois aucun bluff. Il va pas miser une double paire inférieure comme ça, il a toutes les quintes du monde. De mon côté, j'ai pas les cotes pour aller toucher un full, rien à faire là-dessus. Je fold. On enchaîne avec une paire de 10 en milieu de position. Il y a une option à 200. Eh, ça commence à mettre des options à 200. La table elle commence à pas mal se chauffer. Les pots commencent à grossir. Ça fait vraiment plaisir. Je fais un open à 1 000 $. C'est quand même putain de cher. Quand on a l'habitude de jouer des 10-20 où le buy-in c'est genre 3 000, 4 000, 5 000 $ et que là 1 000 $ c'est juste le sizing d'open, on voit que la game elle commence à être bien bien high. Là-dessus, il y a le hijack qui call et le joueur au cutoff relance à 3 700 $. Ah, le joueur au cutoff, c'est un joueur qui est vraiment, vraiment tight ici, ça fait extrêmement peur. La seule fois qu'il avait relancé, c'est quand il avait les rois, et sinon il a été sage comme une image toute la session. Là, en plus de ça, il y a le joueur au bouton qui colle, et franchement, j'ai énormément d'argent à rajouter. En même temps, ils ont pas énormément derrière, donc si je touche un 10, je vais même pas faire des ravages. J'ai pas les codes pour aller toucher un 10, je pense qu'il y a juste toujours les dames, les rois, les as en face. Ça me fait pas plaisir, mais ici, je dois fold. Et au final, sans surprise, le joueur au cutoff, il avait une paire d'as. On perd ces deux spots, mais on fait les bons folds au bon moment, donc en réalité, plutôt satisfait. Main suivante, j'ai Roi 6 8 au bouton, la joueuse UTG call, et je décide simplement de call, et le joueur en straddle check. On est à 3 sur un flop Dame 9 7, les deux joueurs check, j'ai pas vraiment d'intérêt à miser ici, j'ai pas envie de m'enflammer et taper un bluff du futur, je check. Turn tombe la doublette du 7,
Et là, il y a le joueur en straddle qui mise 250$. Franchement, c'est un joueur qui réfléchit, c'est un joueur qui est smart. Ici, il a une range qui est hyper large parce que, bah, vu qu'il a check back, il a any to card. En même temps, s'il a un 7, je suis même pas sûr qu'il irait miser aussi cher parce que moi, j'ai pas grand chose. J'ai l'impression qu'il ferait plutôt des petits bets pour essayer de me trigger. Vraiment pas l'impression qu'il irait miser cher comme ça. Franchement, c'est un spot où certes, il peut toujours avoir des dames et des 7 joués comme ça, mais ça sera pas la majorité et pour autant, il va beaucoup prendre le spot en bluff. Donc en vrai, même si j'ai une hauteur roi, je pense que je suis obligé de call. La river tombe un 10, ce qui est pas une très bonne carte parce que maintenant, il a pas mal de tirages qui ont touché cette carte. Et là, il envoie un bet à 880$. Franchement, ça représente de fou le mec qui veut me mettre de la pression et me faire fold un 10. J'ai l'impression qu'il joue jamais ses mains fortes comme ça, c'est typiquement ses sizing de bluff. C'est un joueur que j'ai un peu joué, j'arrive à comprendre comment il réfléchit. Et genre ici, j'ai juste l'impression qu'il a trop de bluff. Et en réalité, même s'il joue brolant de 7 dans ce spot comme ça et qu'il prend tous ses bluffs, bah il va juste se retrouver avec 90% de bluff. Donc en vrai, pas question de fold ici. Je tape mon call, il jette ses cartes et pour l'embêter un peu, je retourne ma belle hauteur roi. Et là arrive le gros pot de la session. Le pot qui va tout changer. Où on peut soit le gagner et devenir ultra positif sur la session, soit le perdre. Et dans ce cas-là, ça sera plus compliqué pour la suite. J'ai paire de dames en grosse blinde. Le joueur UTG relance à 400$. Le joueur en milieu de position call. Bouton call. Bon, ça relance cher. J'ai une main extrêmement forte. On va envoyer les sous au milieu et envoyer un bon parpaing. J'envoie 2200$. Le joueur UTG call. Et on se retrouve en heads up sur un pot qui est déjà énorme. Le croupier ouvre un flop. 9-5-3 rainbow. Board absolument parfait. Je mise 4000$. Et là, il prend ses jetons et il me relance à tapis pour 22 000$. À ce moment-là, il y a un truc très très bizarre qui se passe que j'ai pas réellement compris. Je suis chaud d'avoir vos feedbacks sur ce qui a pu se passer. Mais c'est qu'au début du coup, quand j'ai 3 bêtes avec ma paire de dames et que j'ai défini quel était le meilleur sizing au flop, j'ai regardé son stack, j'ai compté son stack. À ce moment-là, il avait 22 000$ de stack. Et j'ai bet 4 000$. Il a fait all-in, donc j'ai call, j'ai commencé un peu à regarder mes jetons, à mettre les sous au milieu, regarder le plan de caméra, m'assurer que ça filmait bien. Et une fois que les sous étaient au milieu, il avait plus que 15 000$ de stack, 14 500$ de stack, quelque chose comme ça. Et je sais absolument pas ce qui s'est passé. C'est la première fois que quelque chose m'arrive dans cet ordre-là. Et vraiment, avant de revoir les rushs, je pensais qu'on avait mis 22 000$ au milieu au flop, parce que je suis certain absolument d'avoir compté son stack. Et pour autant, genre c'est pas les sous qui ont été mis au milieu, donc je sais absolument pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il avait une pile et qu'il estimait que cette pile elle était pas en jeu. Mais dans tous les cas, petite info et petit feedback pour vous, faites attention avec ce genre de choses parce que apparemment c'est quelque chose qui peut arriver et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc dans les games un peu underground, faites attention à ça. Je call, je retourne ma paire de dames, clairement en espérant qu'il n'y ait pas 5-5-3-3 et que je sois pas quasiment draw dead. Et là, il retourne à 5. Je suis à moitié surpris parce que c'est un gros gros dégène et il en fout complètement partout. Et maintenant, il faut croiser les doigts. Je retourne paire de dames, il retourne à 5 et on est parti à tapis dans ce pot énormissime. On est quand même sur un pot de plus de 33-34 000$ et il va falloir que ça tienne. Il va falloir qu'on le gagne. Et si ça tient et qu'on le gagne, on est méga, méga up sur la session. Les gars, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un deuxième épisode de cette session parce qu'elle a été très longue, très intense. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il fallait un endroit pour cut cette vidéo. Et telle les meilleures séries Netflix, je me suis dit que c'était le bon moment pour la couper. On a fait ça 2 fois sur la chaîne, à chaque fois on a perdu masse abonnés. Ça nous fait kiffer, ça nous fait rire, ça nous régale. Exceptionnellement pour cette vidéo, les insultes sont autorisées en commentaire. Régalez-vous, lâchez-vous, c'est votre moment. Et on se retrouve pour la suite dans la prochaine vidéo, mercredi.